Je vous ai demandé sur Instagram de me dire quels étaient les pires cadeaux de Noël que vous ayez jamais reçus. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns pour les partager avec vous. Fantine, robinet, un porte-manteau. C'est vrai que c'est étrange, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit pour toi. Est-ce que ton nom de famille c'est vraiment robinet? iAlpha Gamings, un ordinateur éducatif. Moulin.benjamin, un livre. Alors bon, celui-là, je pense qu'on l'a tous eu. Quentin Marois, 57, des crayons de couleur. Bon, c'est vrai qu'ils auraient au moins pu t'offrir des stylos. Ce n'était pas marrant. M.jaume, une pelle à tarte. Je sais pas ce que c'est. Je vais me renseigner. Ah ouais, putain. Ah ouais, en fait, c'est un truc comme ça. Un truc pour choper la tarte, quoi. Pincher007, une orange du Grand JD. Les oranges, c'est bon. Mais par contre, j'aime pas trop les pieds, donc de sa part, j'aurais refusé. Roxane, un stylo bille. J'avais 5 ans. Bon, c'est vrai qu'ils auraient au moins pu t'offrir un feutre. C'était marrant. C'était juste pas marrant cette fois-ci. Story of Horror, un déodorant. Bon, après, peut-être qu'on voulait te faire passer un message. Hein. Ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Clément 6666, des mouchoirs. Alors c'est vrai que c'est un peu moyen comme cadeau, mais tu vas pas nous mentir, je pense que tu les as tous utilisés. Bibo Swag, un chat unijambiste empaillé. Alors je demande à voir, tant que j'ai pas vu de photo, mensonge. Yanis 01 Boutou, un cadeau vide. T'as bien regardé? Coléry, une assiette avec des fleurs dessus. Bad Skeleton, du PQ. Alors bon, peut-être qu'il voulait te faire passer un message. Alors moi, mes potes, ils me souhaitent plutôt joyeux diabète, hein. Dans le genre 850 grammes de pèse. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que... Attendez. Attends. Tu nous as fait une vidéo sur Noël, mais tu nous souhaites même pas joyeux Noël? Bah oui, bien sûr. Joyeux Noël.